Simone, papa, maman, qui nous trouvent affectés par soit un départ, ou sinon vous êtes affectés aussi par le côté financier, l'économie. Beaucoup ils trouvent qu'ils ont la paie diminuée. Ça depuis récession, donc nous faisons beaucoup de sacrifices. Beaucoup grand-maman, grand-papa, lesquels décideraient. Ils ont besoin de l'amour. Nous sommes conscients de ça. Les petits pères ont aussi un peu salaire humain, ce qui nous manquait pendant toute cette période-là. C'est vraiment très triste. Nous sommes conscients, pas trop facile pour qu'ils nous traversent sa COVID-là. Mais nous tous faisons tout ce qui banne l'autorité fin demander, pratiquement tout. Nous suivons les consignes qui se sont données, respecter les gestes barrières et tout, les autres mesures sanitaires. Nous respectons les régulations que le gouvernement a imposées. Et mon corps qui Maurice est un exemple au niveau mondial, côté les peuples vraiment obéissants. Beaucoup de parents fin décident de pour pas faire vaccin. Ou beaucoup ils décident pour à le faire vaccin. Chacun ce droit, chacun ce choix. Aujourd'hui, parents comme hier sacrifier lui pour ses enfants. Mais comment nous sommes capables aujourd'hui de rester les bras croisés? Donc, vaccination peut venir quasiment obligatoire pour les enfants capables de rentrer dans l'école. C'est pratiquement une chose intolérable. Pour la grâce de bon Dieu, les enfants sont bien rares affectés. Bien rares affectés par COVID. Laisse-nous dire l'autorité. Il n'y a plus grand spécialiste, il n'y a plus grand expert qui est capable de dire qui autre qu'une maman, qu'un papa. La peine. Nous pouvons demander, Monsieur le Premier ministre, l'honorable Pravin Jagnauth, et que ce gouvernement, sans ce fusil d'épaule, à nous applique le principe de précaution qui est mentionné dans le Code de Nuremberg. Et laisse-nous trouver les jours de manière une rencontre qui nous capable d'exposer nos doléances auprès du gouvernement.